Donc, on est toujours au Mency Metal Fest 2024, le dimanche. Je n'ai toujours plus de voix. Et là, je suis avec la formation Holy War. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Eric, je suis guitariste soliste. Très bien. Pierre, je suis guitariste rythmique. Franck, bassiste chanteur. Et on n'a pas le batteur qui a pris la fuite, mais c'est pas grave. Tant pis, les absents ont toujours tort. Donc, est-ce que l'un d'entre vous peut présenter la formation ? Alors, le groupe en fait existe depuis 1986. Il faut savoir qu'il y avait une première formation. Donc, à l'époque, on était tous très jeunes. On avait on avait autour de la vingtaine. Et on avait monté le groupe à Rennes, et c'était en 86. Et à l'époque, on faisait du trash. Voilà, on était très très influencé par Slayer, Venom, essentiellement. Le groupe a tourné pendant 2 ans. On a fait beaucoup de, on a beaucoup répété. Malheureusement, on n'a jamais rien enregistré, on n'a rien sorti officiellement. Et le groupe a splitté en 88. Suite à ça, il y a eu une très longue pause. Et moi, pendant le Covid, en fait, vu que je suis resté en confinement pas mal de temps chez moi, j'ai décidé de relancer le groupe et j'ai composé une douzaine de titres à peu près en 6 mois. Voilà. Vous avez cherché à recontacter des membres originaux ou... Bah ouais, mais en fait, le fait est que les membres originaux, plus personne n'est actif. D'accord. Musicalement, il n'y a que moi en fait de l'ancienne formation qui continue à faire de la musique. On s'est complètement perdu de vue. Enfin, j'ai même plus les contacts. Enfin, voilà, c'est ouais. Très très compliqué de rester en relation comme ça sur une longue période où on n'a plus aucune activité musicale. Donc, moi, j'ai relancé le groupe en 2020, en 2021, j'ai commencé à recruter des musiciens. Donc, voilà. Donc... Et en un an, du coup, vous faites déjà des dates. Vous avez comment le recrutement s'est fait d'ailleurs? Vous avez les autres membres, qu'est-ce qui vous a séduit chez eux? Alors en fait, moi j'avais passé une petite annonce sur Zikinf, qui est une plateforme que les musiciens utilisent pour vendre du matériel et aussi pour trouver des groupes, des musiciens. Et j'étais contacté par plusieurs musiciens et notamment par Chris Palanga, batteur de Massacra. D'accord. Qui m'a contacté. Donc il est venu, on a travaillé ensemble pendant quelques mois, on a enregistré un EP. Il avait ramené Eric avec lui dans ses valises parce qu'ils travaillaient ensemble dans d'autres groupes avant et du coup bon, Chris est parti mais Eric est resté avec nous et moi j'ai rencontré Pierre aussi à peu près à la même période. On a commencé à échanger pas mal et puis finalement on s'est retrouvé à un moment donné, on avait notre guitariste rythmique qui est parti et Pierre était dispo et il nous avait fait le son sur le EP. On avait trouvé un fonctionnement qui était très bien et du coup il nous a rejoint à la guitare rythmique. Et je connaissais aussi Jérôme, le batteur de Tales of Blood, qui est un groupe de death parisien, old school. Et comme je cherchais un batteur, puisque Chris était parti, Jérôme nous a rejoint, je lui proposais de nous rejoindre et voilà. Après, la formation était complète, vous êtes basé où ? Alors on est en région parisienne, on est un peu partout. Moi je suis dans le 78, du côté de Poissy. Eric il est à Rambouillet. D'accord. Pierre il est à Argenteuil. Et notre batteur il est dans un à côté d'Anthony. Le batteur absent, il est à côté d'Anthony. Ouais. Du coup vous répétez où? On répète à Paris, au Luna Rossa, que tout le monde connaît, que tous les musiciens d'Île-de-France connaissent. Luna Rossa, ouais. Luna Rossa, c'est un studio dans le 13e. Voilà, c'est une usine. D'accord. Une usine. Qui est très bien. Ouais. Alors, c'est bien. Coup, ouais. Là, il y a un projet d'album. Ouais, on travaille sur l'album. Là, il est composé entièrement. On a enregistré à peu près la moitié des titres. Et il nous reste l'autre moitié à faire. Et puis il y aura le. On travaille parallèlement sur le mixage. Il nous restera juste le mastering à faire une fois que tout est terminé. On espère pouvoir le sortir en 2024, début 2025. Voilà, sur cette période. Fin 2024, début 2025, avec le label qui avait sorti notre EP en 2022. Donc, Cabal Prod, un petit label indépendant, un peu underground, qui est basé sur Bordeaux. Voilà. Donc ils nous ont sorti l'EP et voilà, donc on travaille sur l'album, on a pas mal avancé et
Voilà, après il faut qu'on termine. Là du coup, sur scène à Mency, aujourd'hui, vous allez jouer des morceaux inédits Bah on va jouer les titres du EP, puis 4 titres, la moitié des titres de l'album. Voilà. Et pardon ? Non, donc il y aura de l'inédit. Ah oui, bien sûr, ouais, de toute façon, bah c'est des titres qu'on joue quand même régulièrement là, on a fait quelques dates sur Paris cette année, on les a déjà rodés sur scène quoi. Ok, et les rythmes de répétition, vous bossez tous les combien, vous voyez tous les combien pour bosser? Bah ça dépend. Ça dépend de pas mal de choses. C'est entre une à deux fois par mois, voire une fois tous les deux mois. Ça dépend vraiment de plein de choses en fait. Il y a un peu de boulot à distance aussi, vous envoyez des trucs. Bah on travaille chez... alors moi je compose tout sur Guitar Pro et puis on s'échange les fichiers, on retravaille, on bosse beaucoup à la maison, ouais, bien sûr, on est obligé de toute façon parce qu'on répète pas 3 fois ou 4 fois par semaine, donc voilà. Bah merci beaucoup. Bah de rien. Bah merci à toi. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, hâte de vous voir sur scène. Donc, quand même que Holy War musicalement c'est ça reste du trash avec un côté black disons que les références actuelles ça tourne, disons qu'on serait proche de groupes comme Aura Noir, Midnight, voilà des groupes comme ça, Toxic Holocaust, et évidemment il y a toujours cette énorme influence Venom. On est parce que moi je suis un fidèle de Venom depuis les tout débuts et il y a cette patte Venom sur les morceaux. Très bien. Voilà, merci à vous. Bonne journée. À tout à l'heure sur scène. Merci. Merci.